La Croisière s'amuse est une série télévisée américaine en 249 épisodes de 47 minutes, créée par Aaron Spelling et diffusée entre le 24 septembre 1977 et le 27 février 1987 sur le réseau ABC. En France, la série a été diffusée à partir du 5 janvier 1980 sur TF1, mais aussi sur RTL Télévision, et rediffusée dans l'émission « La Une est à vous » du 6 février 1988 au 23 décembre 1989 sur TF1. France 3 rediffuse la série et programme dans la foulée les saisons restées jusque-là inédites du 7 septembre 1992 au 17 décembre 1999, puis du 29 mai 2000 au 15 septembre 2000, du 1er mai 2001 au 1er mars 2002, et du 13 mai 2005 au 22 juin 2006. La Croisière s'amuse était une série de films avant de devenir une série télévisée. C'est devenu plus tard une série qui a duré près de 10 ans. La série était basée sur un livre, Love Boats, de Geraldine Saunders. Elle était une vraie directrice de croisière, la première femme dans ce rôle pour Princess Cruises. Seuls trois acteurs sont apparus dans chaque épisode de la série, Gavin MacLeod, le capitaine Stubing, Bernie Koppel, le docteur Bricker, et Ted Lang, votre barman, Isaac Washington. La Croisière s'amuse était unique pour la télévision à l'époque, relatant les mésaventures comiques et romantiques d'un groupe de passagers en constante évolution, et du fidèle équipage du navire. Les scénarios séparés avaient tous des écrivains différents et se tissaient tout au long de l'épisode. Il y a plus de réalité dans la série que la plupart des gens ne le supposaient. Pour donner vie au bateau, la production a été tournée sur deux vrais navires de croisière, le Pacific Princess et l'Island Princess. De vraies croisières ont été réservées et les passagers réels ont joué des extras lors de certaines scènes, qui nécessitent un look plus authentique. Pour les personnes en vacances, le tournage n'était qu'un bonus supplémentaire, car les figurants recevaient un billet de tombola à la fin de chaque journée de tournage. Les croisières connues pour doubler les lieux de tournage se vendaient toujours. Filmer à bord d'un vrai bateau n'était cependant pas la norme. Comme toute sitcom, La Croisière s'amuse a été principalement tournée sur des scènes sonores susceptibles de créer l'apparence d'une cabine, d'une salle à manger ou des couloirs d'un navire. Après la 7e saison de La Croisière s'amuse, Lauren Tewes qui a incarné Julie McCoy dans la série, a été licenciée après une bataille très publique en cours contre la dépendance à la cocaïne. Même à ce jour, Lauren Tewes est étiquetée comme une accro à la cocaïne et après avoir été renvoyée de l'émission, le reste de la distribution l'a évitée et l'a ignorée. Elle n'aime pas être qualifiée de toxicomane maintenant, après avoir abandonné cette habitude avec succès il y a 35 ans. Pour l'époque, certains acteurs ont reçu un salaire astronomique. Aujourd'hui, cela ne sonne pas beaucoup par rapport à ce que beaucoup d'acteurs gagnent actuellement, mais à son époque, Bernie Koppel gagnait 39 500 $ par épisode. La première personne à laquelle les producteurs se sont adressés pour le rôle du docteur Bricker était Dick Van Patten, mais il n'était pas disponible car il tournait actuellement pour un autre rôle. Le rôle est allé au meilleur ami de Van Patten, Bernie Koppel, et maintenant nous ne pouvons imaginer personne d'autre dans ce rôle. À la fin de la série, le Pacific Princess, finalement rebaptisé MS Princess, était toujours en service en tant que paquebot de luxe fonctionnel. En plus de ses problèmes de drogue précédemment connus, les dernières années du navire ont été passées dans un état de réparation constante et de dettes impayées. Après avoir traversé de nombreux propriétaires et des problèmes financiers, le MS Princess a finalement été envoyé dans un parc à ferraille turc en 2013. Avant d'être mis au rebut, le navire était déjà déclassé, et le remettre en bon état aurait été insensé d'un point de vue financier, selon Ersin Seviker de l'Association des recycleurs de navires de Turquie. Au cours de son voyage vers le port d'Aliaga en Turquie, le navire a commencé à prendre l'eau et a nécessité des remorqueurs supplémentaires pour l'amener à sa destination finale.